Je suis plutôt du genre à me battre, pas à fuir, alors quand je dois fuir, je déteste ça. Oh putain! Le tuyau, Anne, le tuyau, Anne. Con... Ouais, ouais, le tuyau. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde gigantesque? Oh putain, non, je suis déjà en sueur, ça va pas. Je suis comme une pucelle qui a le genre. Oh putain, tant d'émotions. Hey yo, ici Truffy et bienvenue pour le début de notre marathon Silent Hill. On commence tout de suite avec Silent Hill 3. Ça fait des années littéralement, je crois, des années qu'on a fait Silent Hill 2 et que j'attends en tout cas de pouvoir continuer cette licence avec vous. C'est un pur plaisir. Non, relance pas la cinématique, elle fait peur. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, c'est son, mais c'est son. C'est son. C'est son du téton. Mon enfance, ma première vraie console. Silent Hill 3. On voit pas avec mon gros téton là, c'est quoi cette merde? J'espère que je vais pas bloquer trop d'éléments de jeu avec ma grosse masse corporelle. Choisir le format vidéo. Je sais jamais quoi choisir ça. Oh, il a choisi pour moi. Mais quand... tu joues tout seul le jeu? Posséder. Le contenu de certaines séquences de ce jeu peut paraître violent, voire cruel. Ça plus mes vidéos. Konami. Pachinko plutôt. What the fuck? Copyright strike! La musique quoi, mais Akira, Akira quoi. What the fuck, c'est quoi ce truc? Je la connais déjà la musique, je l'écoutais quand j'étais petit pour m'endormir. Oh, ça me donne des frissons. Je crois sincèrement que mon premier crush dans le jeu vidéo, sans même y avoir y joué, c'était Aether. Et j'ai beaucoup de chance parce que Creamy ressemble à Aether. What? On dirait pas que tu vas jouer à un jeu d'horreur en vrai, avec la musique. Je la connais par cœur. Oh, mais sa voix, ça me donne des frissons jusqu'au poil de cul, quoi. C'est quand tu vois Aether. Bon, il est bourré, lui, c'est pas possible. Ouais, carrousel. Ah, mais j'en ai des frissons, ça veut plus s'arrêter, c'est quoi cette... Mais quel organe! Quel organe, putain! Bah il a Parkinson, le monsieur, il faut faire quelque chose, là.
Touche dorée, pardon. Et voilà, c'était l'intro de Silent Hill 3. Wouah, putain, ça envoie du pâté même maintenant. Hein. 1999-2003, ça a été fait en 2003. C'est sorti en 2003, ils ont mis 3 ans pour le sortir ou quoi? Je joue avec les graphismes améliorés aussi, via émulateur. Même si je possède le jeu, j'avais pas envie de m'emmerder avec les câblages. Normal. Oui. Énigme normale, ouais. On va pas faire le show, hein. On va pas faire le show. On va rester normal. C'est ce que nous sommes, après tout. Ok. Ça crépite. Ça fait mal aux yeux. Qu'est-ce que c'était que cette merde? On dirait un putain de pénis. Et un pénis dans le carrousel? C'est tellement malsain comme visuel, j'adore. C'est ce qui s'appelle mettre la viande dans le torchon? C'est donc ça l'expression? Lakeside Amusement Park. Ça me dit quelque chose d'ailleurs, tiens, ce... Oh, des lapins! Ils sont roses. Dire un couteau pour peler les patates. Je sais pas si je suis rassuré d'avoir ça comme main, on se l'a dit. Il y a des espèces de bruits génitaux qui sont vachement chelous. C'est des gens? Les lapins? Ok, ok. Alors c'est avec le joystick déjà. Ça j'aime pas trop parce que j'ai du mal. Et le retour du... Attends, comment on fait pour se tourner? Merde, j'arrive pas à faire demi-tour, c'est déjà pas... Attends. Le retour du... Putain, tourne-toi, Heather. On veut voir le téton, les B2. Elle veut pas montrer son téton. Heather est une jeune fille pudique, elle ne montrera pas son téton à n'importe qui, voyons. Putain, il y a du sang partout. Ou alors il a mangé des spaghettis, ça s'est mal passé. J'ai complètement décrédibilisé le jeu dès les premières secondes en faisant une voix de fille. L'autre fille comme d'habitude. Un lapin en peluche? Non, c'est un déguisement. Oui, mais il y a peut-être quelqu'un dedans, c'est ça qui m'inquiète en fait. Honnêtement, ça vous ferait... Plus peur quoi? Un animatronique ou un mec en costume comme ça qui vous pourchasse? Hein? Je sais pas. En tout cas, avec son regard vide, c'est typiquement le genre de mascotte que tu pourrais te dire je veux l'avoir en peluche, mais t'es pas sûr en fait. Oh, écoutez ce sound design. La simple distinction de pas entre les matières quoi. Là, là sur la grille, là, c'est tellement le souci du détail, c'est. Oh. Je suis content parce que j'ai réussi avec l'émulateur à avoir un rendu anti-aliésé mais garder le côté crade, tu sais, grésillant. Merde, il y a des trous ici. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, tu peux tomber, t'es sérieux? Elle m'a fait une peur bleue! C'est Dark Souls? Qu'est-ce que c'est? Dark Souls Hill? Dark Souls Hill? Un déguisement de lapin géant. Qu'est-ce que ça fait ici? Ok. Oh, il y a toujours les plans de vue chelous. Hé, on peut voir le téton, le mine. Je n'ai pas la carte de ce secteur. Ah! Le téton. Attendez, je reprends les contrôles un peu en main. Oh! Mais elle fait pas du cha-cha-cha, elle. Oh, c'est... La country d'Harry Mason! Avec un petit bruit de fermeture éclair! C'est la fameuse country! La country croisée! Ça me rappelle Harry Mason, elle a la même position, hein, regarde. Un peu toi quand t'espionnes ton voisin qui lave sa voiture. Un grand.
panneau. Vers le nord, si je continue dans cette direction, je trouverai les montagnes russes. Meuf, est-ce un pas d'attraction? C'est vraiment le moment de penser aux montagnes russes, c'est genre... ok. Oh, merde, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et ça, qu'est-ce que c'est? Quelque chose d'étrange dans une sorte de cage. Une personne? Pas vraiment. Quoi que ce soit, j'ai pas envie de le regarder pendant trop longtemps. Ah, moi aussi, hein. On va regarder, hein, je te préviens. Dommage qu'on puisse pas... faire des zooms, tu sais. Par contre, contrôle de caméra, j'ai rien ou je... Ah si, j'ai ça, d'accord. Ça, c'est couteau. You spin me right round, baby, right round. Comment elle fait ça? C'est tellement fluide. Elle arrive à bouger son corps sans faire bouger ses pieds. Incroyable. Putain, il est... même si tu imagines propre en plein jour, le truc est vachement glauque, hein. Bon, ça, c'est pour courir. Qu'est-ce que... Ah. Les âmes patates. Les âmes patates. Ah, ben, tiens. En plus, il y a des trous partout. Bon, je sais que c'est... Oh, hot dog. Hot dog. Ah non, c'est du popcorn. Mais pas de vendeur. Où sont-ils partis? Bah, il fait un peu nuit, là. Donc, ils sont tous rentrés chez eux, les heures. C'est marqué quoi? What? Qu'est-ce que ça fait ici? Bonne question. Je veux pas me laisser aller dans les toilettes. Donc attends, dans Silent Hill 1, on commence après un crash de voiture. Dans Silent Hill 2, dans les WC d'une... Même pas d'une station-service, c'est vraiment les WC du cul du monde. Et là, on commence dans un parc d'attractions. Un attrape-fion. Putain, j'ai cru que... Ça a changé de plan un peu trop rapidement pour mon appréciation personnelle. Y a-t-il des vendeurs? Je veux faire un tour de montagne russe, mais... Le son est fort, madame. La porte est coincée. Impossible de l'ouvrir. Bienvenue dans notre monde, jeune fille. Tu fais connaissance avec Robespierre, la porte maléfique. Mais merde, ça va trop fort, là. Donc je peux aller nulle part. Peut-être que on peut pas rentrer par là, t'es sûr? Ok. Et là? Ok. Est-ce que je peux fouiller dans les poubelles puisque t'as faim? Ah, c'est des jolies poubelles, hein. Attends, et je regarde si j'ai un inventaire. Select, d'accord. Carte, note, option. J'ai peut-être des notes sur moi, non? Oh, c'est vieux. Ces vieilles interfaces. Option, non, ça on n'en veut pas. Objet. Oh putain! Oh j'ai... What? J'ai une mitraillette sur moi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? What? D'où ça sort ça? Et un pistolet. Et Tuiwan. D'accord. Mais c'est un gangsta en fait, cette fille. Emporté. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un serial killer en fait, Heather. En fait, elle est dans un parc d'attraction, elle a tué tout le monde. Hein? Elle a tué tout le monde. Ouais. Ah, attends, le truc il tourne tout seul, mais je t'assure, le jeu est possédé. Hein. Il se passe des trucs ici. Peut-être par là, il y a une petite porte chelou. Oh. Là, ben, tu t'attendras, meuf. J'ai même pas su ce qui m'attaquait. On aurait dit un chien papyrus ou je sais pas quoi. Jamais, jamais. Putain, mon cœur, il s'est trop emballé, là. Saloperie, sérieusement. Attends. Non, j'ai chaud, ça va pas. Je sais même pas, attends. Attends, comment on tire? Oh! Tu me tiens. Ok, c'est bon. Tu tiens ça de façon très bizarre, meuf, hein, mais bon, écoute.
Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Qu'est-ce que... Pas par là. Où on va? Où on va? Où on va? Pitié! Non, 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 non. Ah, pomme de terre! Pomme de terre, non, c'est bon, allez, on arrête. C'est quoi cette... C'est pas possible, je peux pas aller par là. Moi, je veux mes pop-corns, je veux les lapins. Je veux les lapins. C'était quoi cette merde? Oh putain, je sais même pas ce que j'ai vu. J'ai juste vu que c'était immense. Et je... Non, c'est bon, là, je suis saucé, là. Oh non. Ça me donne chaud, cette merde. Mais moi, je suis plutôt du genre à me battre, pas à fuir. Alors quand je dois fuir, je déteste ça. Oh putain! Le tuyau, Anne! Con... Ouais, le tuyau. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde gigantesque? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Oh, ça va pas le faire, hein. Il faut que je me calme. Oh, j'ai chaud. J'aurais pas dû boire du grog. Je suis en nage. Je suis littéralement terrorisé. Il y a un lapin en peluche ici. Des boîtes de biscuits et de chocolat sont exposées. Tu penses qu'à bouffer, meuf, espèce de grosse. Des jouets souvenirs ordinaires. Quoi? Jamais j'aurais cru dire ordinaire dans un endroit pareil. Biscuits et chocolat. Oh, des chewing-gums. Oh, ça, c'est de la belle chemise. Ils vendent ces merdes dans ce parc. Oh, regarde. Le lapin. C'est un lapin en peluche. Sa bouche est toute rouge. Comme du sang. C'est dégoûtant. Nique-lui sa gueule. Tuyohan. En tout cas, les contrôles sont toujours aussi... aussi lent, hein, c'est un plaisir. Cette porte, elle va m'amener quelque part dans un endroit formidable, j'ai l'impression. Une rangée de chemises à vendre. J'en ai aucune utilité. Qu'est-ce que vous pensez du style vestimentaire des heures? Moi, je la trouve bien classe, quand même. C'est simple et classe. Il y a plein de styles différents, mais je n'en veux pas. Je me tire de ce coin déplaisant. S'ils avaient des outils, ça serait une autre histoire. Qu'est-ce que tu vas faire avec des outils? Tu construirais une cabane? Non, mais j'ai vu, il y a des biscuits, des chocolats partout, c'est tout ce qu'ils savent vendre ici. Il y a les casquettes Robby quand même. Robby s'appelle le lapin, je crois. Attends, merde, il y a un truc suspendu au plafond, je rêve. Ah, je peux bouger ma caméra. D'accord, j'ai cru que c'était quelqu'un qui... Robby le lapin... Elle veut rien du tout. Qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fais à jouer à ce jeu? Sérieux, là, j'ai des sueurs froides. Il faut que je me reprenne des esprits avant de ressortir parce que c'est pas possible. J'ai tellement hurlé comme une pute, ça va être atroce. Une petite pucelle, ok. Une vierge effarouchée. Ok, c'est bien. Je peux pas prendre aucune des portes, ça me va parfaitement. Par contre, dans quel magasin au monde t'as ce genre de sol avec rien en dessous, quoi? Personne n'ose rentrer dans ton magasin, t'as peur de tomber, pas vrai? Ça m'inquiète parce que ça veut dire que je dois ressortir. Oh, putain. Bon, on va réaffronter les ténèbres, hein. Ne crie pas, tout va bien. Oh, salope. Oh, petit, oh, Mathieu Seigneur. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh,
continue en plus. C'est un homme tampon le truc, un homme tampon géant. Il y a des hommes tampons partout. Il y a des hommes tampons partout. Des hommes tampons. Des sacs à tampons. Qu'est-ce que c'est que cette merde, sérieux? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, non, pas par là. Je suis un homme viril, je suis un homme viril, je cours. Enfin, je suis un homme, mais je suis une femme en fait. Donc j'ai le droit d'avoir peur. Qu'est-ce que c'est que ces bruits? C'est un Capharnaüm, c'est atroce. C'est verrouillé. Oh, il y a un homme patate dedans en plus. Merde. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, je veux pas savoir. Oh, non, ne tombe pas! Meuf! 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 Qu'est-ce que c'est que ces bruits? C'est atroce! Oh, la flip! La flip! Oh, attends! On peut passer par là? Bah tu les as tes montagnes russes. Putain de merde. Qu'est-ce que c'était que ce cri atroce? Mais oh. C'est quoi ce truc là? C'est une soirée barbecue là? C'est quoi ce pilier? Qu'est-ce qu'il y a? Une espèce de chapiteau là. Un silence de mort à part mes pas. Mais regarde ça, c'est tellement bizarre. Wow. Oh, c'est un peu cassé ton truc là. Arrête, Heather, Heather. Oh putain, elle me fait peur hein, cette conne. Arrête. Marche droit, je sais que c'est pas facile avec moi aux commandes, mais fais un effort. Montre que tu peux avoir une jupe et marcher normalement. Oh bah rip. En même temps, tu voulais un tour de montagne russe, tes souhaits sont exaucés. Ouais bah saute hein. Ah d'accord, elle s'est fait défoncer. T'aurais dû sauter. The end. Merci d'avoir joué Silent Hill 3, c'était très bien. Boire ou conduire, il faut choisir. Ce style vestimentaire des années 2000 quand même. Épique. Tu m'étonnes, putain. Pire cauchemar du monde, ne me veut jamais être dans ta tête. J'en fais des bien niqués, mais toi là. Quel joli jeu de lumière. Oh, il est ketchup. Elle avait un espèce de petit pendentif en. On aurait dit une boule de thé, tu sais. Happy Burger, c'est mon burger favori. Oh, les petites chaussures en cuir. Dad, it's me. Yeah. Les bons de vieux téléphones publics. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Mon gant de Michet, tu l'as trouvé. Mon gant de ceinture. Okay. Okay, I will. I love you too, Dad.
T'aimes Mania. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je viens pour ton petit cul. Le truc trop flippant. The fuck. On n'aurait pas deviné à la dégaine. Oh! Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, half an hour of your time. Il y a un vieux racoleur qui essaye de choper une jeunette. Not to talk to strangers. This is very important. It's about your birth. What the fuck? I'm not interested. C'est quoi ce bordel? En plus, il la suit, enculé. Le petit plan, qui fait plaisir, apparemment. Are you still following me? Do I have to scream? Sorry. Bouddhi. I'll wait here. Déjà, la dégaine, c'est pas top, mais en plus, le comportement de vieux pervers. Oh! Quelqu'un s'est amusé avec le rouge à lèvres, là. Ou avec autre chose, mais je veux pas imaginer... La substance en question. La marque sur ce miroir, j'ai l'impression de la connaître. Comment puis-je la connaître? Où l'ai-je vue? C'est l'enfant de Satan en fait, Heather. Elle vient d'un culte satanique. Et pourquoi ma tête me fait si mal quand j'essaie de me souvenir? Waouh! Ah, merci, la migraine est partagée maintenant. Je vois rouge règle. Ah, le petit espace de sauvegarde pentagramme qui va nous attirer que des bonnes augures, hein. Très bien, très bien. J'adore son visage sur cet écran. Je suis plutôt pas mal. C'est l'heure de faire un peu de country. Country. Elle peut pas faire de country bien comme son père. Elle est pas assez entraînée. Mais elle sait faire un demi-tour, mais scandaleux par contre. Scandaleux. Tu veux pas faire caca? Non? C'est pas censé être discret, en plus c'est détective. Si, le mec est carrément habillé, c'est ça, en inspecteur gadget. C'est... ok. Ce vieux détective bizarre est dehors, je ne pars pas. Ok, bah écoute, on va compter les tampons dans la poubelle, toi et moi, écoute, hein, si c'est ce que tu veux. Je n'aime pas les miroirs. Est-ce que tu aimes le PQ et les films de gladiateurs? Donc elle veut pas que je... Elle veut pas que je... J'ai toqué, ça a répondu. Il doit y avoir quelqu'un là-dedans. Désolé, je rigolais pour compter les tampons, hein. La fenêtre a l'air ouverte. C'est moi ou... Oh. Carrément. Tu m'étonnes, moi aussi je sortirais par la fenêtre en vrai. Waouh. J'adore ces vieilles textures, n'empêche. Plein de bobies, mais c'est pas des vrais bobies, c'est des bobies boîtes. Des caisses vides et tout un tas de trucs bloquent la route. Je ne peux pas passer. Déconne pas meuf, hein. Tu peux carrément enjamber des boîtes. La meuf, elle a escaladé un trou de fenêtre tout petit, mais par contre là elle peut pas y aller. J'adore aussi ces plans de vue. Ce genre de plan de vue imposé dans... Ça donne tellement une narration. C'est bien rouge par là. Vous trouvez pas que c'est rouge? La brume par là? J'adore la musique, c'était une de mes préférées dans ma playlist Silent Hill, celle-ci. Elle est tellement chill et tellement sexuelle. Tu peux imaginer des petits gnomes tout nus comme ça au-dessus de toi qui font genre... Une petite danse hindoue. Et pendant ce temps, le détective attend. Une porte de service. T'as vu, c'est marrant comment les plans de vue te donnent... une dynamique et en plus t'indique clairement des endroits où tu dois aller. Je sais pas si vous avez remarqué, ça a été très rapide, mais ils s'en ont servi aussi durant la course poursuite où ils m'ont indiqué la porte que je devais vraiment prendre. On va dans le pédovan du détective. Pas de bol, peut-être que si je le contourne... Ah tant pis. Non mais t'as même l'espace pour passer en dessous meuf. Sérieusement, t'as vraiment envie de lui échapper, tu t'échappes hein.
Oh, mes contrôles, par contre, l'analogique, j'ai du mal. Hein. Oh. Quand la musique s'arrête, ça pue l'urètre. Toujours Robespierre. Il y a des post-it. Un tas de trucs qui collaient là, mais rien d'utile. J'adore ça aussi que tu puisses investir un peu tout n'importe quoi. Tu vois, t'as une vraie interaction, t'as une vraie recherche, ça c'est super chouette. Alors tu vois, si je vais dans les casiers, peut-être que ça va me dire, ouais, tu vois. La porte du casier ne s'ouvre pas, je laisse tomber. Des cartons. Hing ! Re-bienvenue à Silent Hill ! J'ai cru entendre quelque chose, mais... En fait, c'est ça qui me fait peur. C'est que j'entends des choses aussi dans mon immeuble. Et je crois que c'est des sons du jeu, et des fois, je... The Revolt of Tyrn Isle. Je sais pas ce que c'est, mais j'aime bien l'affiche. La porte, il est fermé. De là où est né Robespierre, on se rappelle. Le Hill, le fameux Hill. Comment... Imagine la porte. Comment oses-tu assumer mon genre? Bon, tout est fermé. S'il y a un hurlement, c'est probablement dans le jeu. Pas sûr, hein. T'imagines, les voisins disent la même après le hurlement que je viens de pousser tout à l'heure. Je pense qu'ils ont appelé la police. Hein. S'il y a le SWAT qui débarque, il faut pas vous inquiéter. Enfin, je serai sans doute mort, mais... Ok, tout est fermé. Chouette. Qu'est-ce que c'était? On sait pas. Il y a du caca par terre. Où est le concierge? Appelez-moi le responsable tout de suite! Je veux mes... Voilà. Je veux mon couteau. Qu'est-ce qu'elle disait? Attends, il y avait une information. À cran d'arrêt pour se défendre. Je ne l'ai jamais utilisé, mais juste au cas. Juste au caca. Juste au caca. Qui a renversé cette plante? C'est de là que vient le caca? C'est dégueulasse quand même. Oh, quelqu'un a eu une grosse diarrhée là, à ce stade. Il y a des bruits en plus, qu'est-ce que c'est? Non mais c'est quoi cette ville où tout est pourri du cul? Regarde cette poutre, elle est toute cassée. En plus c'est fermé. Il y a la lumière, donc ça a l'air évidemment par là qu'il faut aller. On peut pas passer par là, sinon. C'est bizarre comme bruit. On dirait une émission de radio, un truc comme ça. Y'a quelqu'un? Je rentre dans votre magasin comme ça alors que vous fermez. Je veux mes bottes Gucci. Oh. Ouf. Pourquoi tu irais le prendre, meuf? Ça se trouve, c'est une arme de crime. Oh non, pas des bruits de chien. Ok, prends l'arme. Il est en train de lui faire une faciale. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh non. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'homme vaginette. Et ça grogne comme un chien. Mais tire! Tire! Ouais, ça vibre comme un pénis. Ah, elle aime ça s'en prendre, hein, des balles. Oh, t'es foutu, meuf. Ouh, quel petit cul. Ça se trémousse. On dirait qu'on vit d'un évier, c'est dégoûtant. Dis-moi que c'est encore un cauchemar, hein. Est-ce qu'on peut vomir dessus? C'est bien mort, hein. C'est pas humain, c'est sûr. C'est pas commun comme animal. Qu'est-ce qu'elle est con. C'est pas un déguisement. Ça paraît dingue, mais monstre est le seul mot qui convient pour le décrire. Moi, je trouve que homme vaginette, c'est pas mal. Mais je ne suis pas folle. Yeah. Ok. Ouh, j'adore cette robe. En vrai, elle serait super jolie, Heather, avec cette robe. Un peu kikitch, mais... Oh non, j'en ai mis sur mes bottes, ça fait des traces de pas.
Qu'est-ce que tu regardes? Oh d'accord, waouh. Voilà ce qu'il en coûte de venir faire chier le vendeur après la fermeture. Elle était pas assez rapide, elle a pas acheté les bons vêtements, je sais pas, mais il s'est passé un truc. Je vois d'ici que c'est mort. J'appelle les flics. Remarque, qui me croira si je dis quelqu'un a été tué par un monstre? Bah sinon tu dis, à l'aide, il y a eu un meurtre. Ils arrivent, ils font, wow putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et ils se rendent compte que, voilà. C'est quoi cette réflexion à la con, sérieux? À chaque fois dans les films d'horreur ou quoi, ils ont des... C'est des balles, là? Ouh. Alors ça, ça fait plaisir, ça. Parce que vu le nombre de balles que ça a pris, cette saloperie. À chaque fois dans les films d'horreur ou quoi, c'est toujours la même chose, tu sais. Genre, ils inventent des excuses à la con, ou tu sais, ils y pensent pas. Juste pour que l'intrigue scénaristique avance. Ça m'énerve tellement à chaque fois. Je veux dire, ce serait tellement plus logique, tu vois, qu'elle court pour aller... elle court pour aller, genre, appeler les flics. Et plutôt qu'il n'y ait pas de tonalité, en fait, elle a plus de pièces pour appeler. Genre, oh mon dieu, quelle horreur! J'ai tout dépensé dans le dernier donuts! Oh! Quelle conne! Il y a des espèces d'eau dans ces faluches kebabs qui font office de main, mais sa tête, c'était définitivement une vaginette. Définitivement, c'était de la vaginette. Hein. C'est trop bizarre, pourquoi il y a des draps là-dessus, plein de sang? Ça n'a aucun sens. Je vais aller essayer la robe et le dernier sac à main. C'est un vestiaire, pas besoin d'y entrer. Je suis complètement pas d'accord. Avec toi. C'est un monstre. Je l'ai tué. Oh. Et tu lui marches dessus présentement, tu vois. Je les tire. Merci Bobby. Je vais vomir en toi. Rien de particulier n'a lieu sur le comptoir. Sinon, tu voles la caisse. Comme ça, hein. Il y a un de ces silences qui me va pas du tout. Ça va, le détective est pas nu sous sa parka. Pour l'instant, on n'en sait rien. On l'a vu sous sa parka ou pas, je sais plus. Ah ça, Silent Hill ou le seul jeu, quand une porte se déverrouille, ça me fait pas plaisir. Ah. Ah. Qu'est-ce qui est marqué? Oh, des plans! Ouf. Central Square. Putain, le supermarché du cul du chien, quoi. C'est quoi cette horreur? Comment j'accède le plan? Triangle, c'est très bien. Oh, il y a plein d'infos, dit. Ah, il y a différents... Deux étages! Trois étages! Oh mon dieu, on n'aura jamais fini. Tu te rends compte que t'es dans un supermarché, même avec des monstres, avec une femme. Une jeune femme qui plus est. T'imagines les conséquences? Le nombre de magasins qu'on va... Oh, ça zoom. Ouh, ça dézoome. Le nombre de magasins qu'on va pouvoir faire, là. J'aime bien, il y a plein de petites inscriptions, ça va être utile. Donc attends, nous on est arrivé par là. D'accord, ok. Les toilettes, tout ça. Donc techniquement, vu l'inscription et vu l'environnement, le détective devrait être dans le coin. Ce qui me perturbe, c'est que quand on a vu le détective, il semblait pas y avoir tout ça. On sortait du Happy Burger, c'était joyeux, c'était happy, c'était burger. Et là, tout fout le camp. Oh. Ça, c'est juste un escalier, mais non. Non, juste non. J'ai appuyé, mais l'ascenseur ne vient pas. Est-il en panne? C'est une très bonne question, Bernadette. Je laisse tomber. C'est sombre, ça fait peur. À l'aide. Oh. Oh. Tout ça ne me va vraiment pas. Bon, clairement, il nous bloque le passage de partout. Ok, donc soit on a le choix. Soit on monte à l'étage avec la cage d'escalier. Soit on fait les grandes portes, donc on va regarder le plan. Ok. Attends, c'était de là où je venais les grandes portes? Non. Non, non. Ah, attends. Attends. Si je passe par là, c'était verrouillé dans un sens, déverrouillé dans l'autre, c'est ça? Bonjour madame. On voit le poster juste là.
Je crois qu'on va pas y aller. Hein. Je crois qu'on va vraiment pas y aller. Je crois que j'ai jamais autant transpiré du cul depuis Manus. C'est pas temps. Oh, c'est ouvert, je suis allé. Ok, on revient ici. Ok. Ok. Et on a encore... On entend encore les bruits de... Merde, attends. Je fais le tour. Ah, attends. Donc, je suis supposé pouvoir passer par là, normalement. Les volets anti-feu sont baissés, je ne peux pas passer. Oh, il y a un petit connard qui a mis une alarme ou quoi, c'est ça? C'est ça le délire? Oh, je me suis fait avoir. Je pensais pouvoir retourner vers inspecteur Pépère Pervers. Puis finalement, non. Oh, ça pue de la bite. Oh, attends, comment on tire déjà? Ok, ok. Ah bah c'est le moment, meuf. Mon petit mollet. Mais c'est un chien papyrus, c'est quoi cette merde? N'approche pas. Oh putain, le chien vagin. Tiens. Tiens. Putain. Rien à foutre que tu sois un chien, moi. Je te nique. Oh, oh, il y en a un autre. Oh. C'est un chien papier toilette. C'est le chien PQ. Petit petit. J'ai un tampon pour toi. Les musiques sont atroces. Ah, aïe aïe. Heureusement qu'il est con comme une bite à plat ventre. Ça fait peur du coup. Tu peux venir s'il te plaît qu'on en finisse. Ok. Ok. Ah, attends. Je vais tenter. Ah, j'ai pas tué Johan. Oh merde. Tant pis, on court. On s'est cassé. Oh chiotte. Chiotte. Merde. Oh non. Oh pitié, non, j'arrive pas à tourner. Aïe. Elle se l'est pris en pleine poire, quoi. Je suis mort. Bah, je retourne par là, moi. C'est mort. Je retourne de là où je viens. Puisqu'on met le court mode. C'est moi. Oh putain. C'est les chiens éco plus, quoi. Vas-y, je rentre là-dedans, moi. C'est mort. Oh. Vas-y. Ouais. Sauvegarde, ouais. Quand tu veux, meuf. Oh putain. Mais cette pression, quoi. Je savais pas que c'était aussi dur d'être une femme et de faire du shopping. La porte est coincée, bah, au moins elle dit pas genre je veux pas retourner voir le détective. Elle aimerait bien se cacher sous sa parka alors. Y'a encore quelqu'un qui fait caca? Truc bien flippant, tu sais. Quand les portes sont verrouillées mais qu'il y a rien. Personne répond et tu vois rien, c'est genre comment c'est possible? Ah. J'ai pas très envie de... Regarde dans le plan. Donc ici, clairement, ça nous intéresse absolument pas d'y aller à aucun moment de notre vie qui s'avère très très courte. Hein? On est d'accord? Mais pitié! Zigzag! Zigzag! Règle numéro 1 de survie, zigzaguer. Dans tous les jeux qui existent. Bon bah du coup, on va monter, hein? Augmenter, ça va être chouette. Presque impossible de passer avec toutes ces boîtes et ces palettes. Déjà, il y a le mot presque. Et je peux te dire qu'après tout ce qui que t'as vécu, je saute par-dessus la rambarde. Je suis pounon. Hein. Comment elle monte les marches, tu vois. C'est trop bizarre. Tac, 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 tac. Tu es presque malaisante comme fille, des fois. Ok, j'ai entendu un âne. Je sais pas si ça ressemblait à un âne, je sais pas, je veux pas ça. C'était clairement pas un chien et c'était pas un homme vaginette, donc
Il faut me laisser un instant. Ouais, me fais pas croire que toi tu serais là en train d'y aller en mode franco du buffet. Hein. T'entends un âne sodomite comme ça, je pense que tu refermes doucement et gentiment la porte derrière toi. Et tu fais genre, ouais, bah, peut-être que je trouve un autre chemin en fait. Bordel. C'était le détective. Oh, les musiques, elles sont affreusement... Oh, je sais pas ce que c'est. Il y a un spermatozoïde qui marche. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh mon dieu. Oh, je veux pas voir ça. Vas-y. On va le planter. C'est un spermatozoïde avec des pieds, ça devrait pas être trop dur quand même. Vas-y, vas-y, on le plante comme en prison. Putain de merde. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais ça esquive en plus. N'approche pas de ma... Aïe. Je me fais frapper par un résidu de partouze. Par, par, par. Dégoûtant. Oh, il va jouir. Non, non. Oh putain. Mais c'est quoi ça? C'est un œil ou... Putain de merde. Oh putain. Ah, oh, c'est l'invasion des œufs pochés. Ah, oh. Oh, il y avait petite trace de sang à mes pieds. Comme ça, le détective, il pourra me retrouver. Super. Où est-ce que je suis là, du coup? Oh. J'ai vomi dans ma bouche. C'est cadeau, c'est pour vous, c'est... je vous l'offre. Il y a un verrou là. Il y a un verrou sur la porte, tu vois. Ça doit vouloir dire qu'il faut une clé ou un truc comme ça. Je crois qu'il y a des verrous sur toutes les portes, non? Ah, putain de merde. Elles sont pas très sympas les créatures en question. Hein. Enfin, elles sont... J'en ai déjà vu trois là. C'est énervé le jeu, hein? C'est énervé. Pourquoi des yeux avec des pieds? Oh. 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 Plante-le! Putain. Putain de chien! Où était le PQ quand j'en avais. Ah! Blasse-moi! Où était le PQ quand j'en avais besoin, hein? Je vais te planter comme en prison, moi! Et ça fait mal en plus! Ah putain, mais elle prend cher, hein. En fait, je vais prendre le flingue, hein. Ça pue de la bite, sinon. Je suis sûr que je suis en train de mourir. Ah non, ça va. Il me ronge juste le genou. Est-ce que j'ai des actimels? Non, j'ai rien. Ah, qu'est-ce que c'est? Pendentif. Papa me l'a donné pour mon anniversaire. C'est l'un de mes biens les plus chers. Une petite couille. Oh. Il y a un joyau à l'intérieur comme une petite pastille rouge. C'est du cyanure. Quand j'ai demandé à papa ce que c'était, il a dit un porte-bonheur. C'est juste un haricot rouge, en fait. Puis il m'a dit d'en prendre soin et de ne jamais l'ôter. Même quand tu prends ta douche? C'est la clé de ma porte d'entrée. L'inscription appartement 102 Daisy Villa est gravée sur la clé. Très bien. Oui, je vous emmerde, je regarde tout ça. J'ai que 10 balles en plus, hein. Ouais, c'est chaud. Ah... Mais plante-le cette merde. Non, c'est pas possible. Il me mange trop, il me mange trop. Il faut que je sorte le flingue là. Qu'est-ce qu'il mangeait en plus, je sais pas. Il y a tout un bazar mais rien ne semble utile. Merci bien. J'ai du bivier. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai ramassé encore? Beef jerky. Mais c'est du bacon. Viande séchée transformée. Ça peut aider à détourner un monstre. D'accord, les monstres mangent du bacon. C'est fait pour les chiens, pas pour moi. Moi, j'aimerais bien goûter. Ok, moi franchement, le couteau, on peut aller se faire bien, mais alors bien foutre. Hein. C'est un non négatif, c'est bon. En plus là, je sors de Dark Souls, alors j'ai l'impression que je vais prendre 3 coups et mourir, tu sais. Je suis en mode traumatisme, j'ai un stress post-traumatique de Dark Souls. C'est pas possible. Wouah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il va y avoir? J'ai peur.
C'était dans mon appartement ou c'était dans le jeu? Ok. J'aurais préféré que ce soit dans mon appartement, vous savez. C'est comme ce cercle magique dont parlait ce livre que j'ai lu sur la magie noire. Est-ce pour ça que ça me paraît familier? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas à cause du livre, c'est à cause de l'hôtel. Hôtel, mais qu'est-ce qui me prend? Ah, enfant de Satan! Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, et attends, il y a un truc là sous la palette. Qu'est-ce que c'est que ça? Une clé? Quelque chose est tombé entre la table et le plancher. Je crois que c'est une clé. Quoi? La table et le plancher? Qu'est-ce qu'elle raconte, cette conne? Si seulement j'avais le bras plus long, je l'atteindrais. Il y a une énorme pile de cartons plein de livres sur la table. C'est beaucoup trop lourd pour être déplacé. Bah, prends un truc, je sais pas, un balai ou... Une femme, putain. Heather, t'es pas débrouillard. Regarde, regarde ça, c'est quoi ça? Il y a un tas de caisses ici. Et ça devant toi, là, tu... Y a aucun truc long que tu pourrais utiliser ici, sérieusement. Fous-toi de ma gueule. Fous-toi de ma gueule. Et pourquoi elle appelle ça une table et le plancher, quoi? Pourquoi il y a des musiques? Quand il y a des musiques, j'aime pas ça. Ça me plaît pas, les musiques, hein. Ça me rappelle tellement Pyramid Head, ce genre de bruit. On dirait un truc qui traîne quelque chose par terre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, c'est un truc dans la ventilation là qui fait ce bruit là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est juste une ombre foireuse, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a ce bruit là? Mais sérieusement... Sérieusement, pourquoi? Et tant, on sait pas ce que ça veut dire ton truc. Tu veux pas prendre... c'est quoi? C'est une boisson éco plus que t'as gagné? Très nutritive, elle devrait me requinquer un peu. Super. Ah, je suis ravi, putain. Alors, dans quoi on s'aventure là? Ok, on s'aventure dans un putain de traquenard là. Ok. Je le sens absolument pas. Ça va être un carnage. Ok. C'est cassé, ok. Il y a des bruits, c'est pas bien, c'est pas chouette. C'est quoi ça? Je veux aller là, est-ce que je peux aller là? Ah, des chaussures, j'adore les chaussures. L'homme vaginette. Pas l'homme vaginette. Ah non! Le double homme vaginette! Je peux en gérer un. Mais deux hommes vaginettes? Deux? Oh, il est encore dans son action! Oh! 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 Je vais là, tiens. Oh, bah, je peux aller là en plus. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Oh! Des baguettes. Du petit pain d'épices. Du pain. Mais je n'ai pas faim, donc pas la peine de s'en occuper. Si, mange ton pain, connasse. Oh, mange ton pain. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça dit? Ah, ça t'intéresse? Une paire de pinces? T'es sérieuse? Me dis pas que c'est pour attraper la clé, parce que je vais rigoler, sinon. Comme une grosse pince à épiler, mais pour prendre le pain. Elle est finie, la pisse, cet enfant. C'est ce que voulait dire le détective. Heather, je crains que tu sois à moitié sperme, à moitié urine. Oh, mais il y a des donuts, sérieux. Et des bouts de pizza, elles ont pas l'air bonnes.
J'ai failli vomir encore dans ma bouche, ça va pas. Hein. Je me dégoûte. Aucun employé dans les parages, je me demande où ils sont. Ils s'en fait manger. Regarde, t'as plein de boissons revigorantes ici, meuf. Et des boîtes à proutes. Non, mais je veux pas y aller, je veux pas sortir. Hein. Tu crois quoi? Tu crois que je veux sortir? En plus, elle regarde ça avec un air tellement con. Ah, en plus, ça rote, mais comme moi. Qu'est-ce que c'est? Marguerite, ouvre-moi. Pourquoi? Tu m'as donné le sein. Oh, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ça a l'air bien, ça. Oh, c'est verrouillé. Non, vaginette, non, vaginette. Ok, on va aller chercher la clé, hein. Ah, ça se dandine comme une péripatétienne du bois de Boulogne. Ok, tout va bien. Tout va bien, le silence, c'est bien. Le silence, c'est très très bien. Oh. J'adore le silence, moi. Ça me va très bien. C'est dans quelle pièce, déjà? Que je me gourre pas. C'était pas là, hein. Là, il y avait le chien. Si j'ai une bonne mémoire, c'était là. Ouais. Oh, ça recommence. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ce bruit? C'est terrifiant. Je sais pas pourquoi je trouve ça terrifiant. Je trouve ça absolument terrifiant comme bruit. On dirait un gros qui court à un étage supérieur. Et c'est vraiment pour ça en plus. Hein. Prends ton espèce de pince à épiler. C'est pour des minous gigantesques. Hein. Non. Drôle de poil. J'ai la clé prise avec les pinces. C'est bien, ma grande. Et donc? Cette clé était tombée dans le magasin. Je l'ai récupérée avec les pinces. C'est très bien. La clé porte une étiquette où on peut lire mes best-sellers. Oh. C'est peut-être marqué sur la carte, du coup. Ah, peut-être. Attends. Peut-être ici, là? Non, pas là. Ici, là, regarde, ça a l'air d'être fermé, là. Là, c'est la boulangerie qui pue. Et là... Ok, donc c'est ce que j'ai dû voir verrouiller quand je courais... quand j'évitais les hommes vaginettes, hein. Non, ah, une armée de spermatozoïdes. Non, pas les œufs pochés. Directement, il n'y en avait pas trois avant. Qu'est-ce que c'est? Merde, sérieusement. Oh, oh non, mon oh, putain. Ah oh, 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 joli cul, très joli cul. Attends, ça a l'air d'être ouvert, ça doit être là, pas vrai? Oui, oui. Et là, tu fermes la clé, hein, parce qu'ils peuvent entrer comme ils veulent, là, c'est une baie vitrée. Vas-y, j'ai trouvé ton nom. Mais c'est chez moi ici, il y a plein de livres. Vite un Playboy, vite quelque chose que je puisse me trifouiller la nouille. Elle marche vraiment comme... C'est pas la démarche d'un canard, ça? Mais, je suis... Qu'est-ce que c'est? Qui a fait tomber ces... Oh, mange mon Shakespeare, qui a fait ça? Qui a osé lancer les anthologies de Shakespeare comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y en a beaucoup, dis donc, ça doit faire lourd. Il était par terre dans la bibliothèque. C'est un recueil de Shakespeare, ni plus ni moins. Je vais l'examiner quand même. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un a écrit au feutre dessus comme un connard? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il faut les mettre bien. C'est le seul endroit où il y a de la place. Peut-être devrais-je y placer les livres ramassés par terre. Mais quelle formidable idée, ma petite Heather. Où sur l'étagère allez-vous placer le livre? C'est Dora l'exploratrice ou quoi? Le problème c'est que... Attends. Ah, je dois décider d'où. D'accord, ok. Ah, ok, je peux les examiner comme ça du coup. D'accord. Ouais, donc il y a un ordre. D'accord. Bah, j'imagine que c'est l'ordre de nomenclature d'origine. Attends, ah bah quoique non, ça n'a pas l'air. Suspicieux tout ça.
Ça, c'est la fin, ça, c'est sûr. Et ça, ce serait le début, je pense. D'après mon intuition, qui est souvent très juste, car je suis quand même un super détective anal, je dis que c'est là. Et ça, ce serait ici. Incroyable. Je suis une tête. Oh là là, qu'est-ce que je suis intelligent. 837. Il n'y a pas de doute possible. C'est le nouveau code, 837. Quel livre allez-vous prendre? Mais non, casse-toi. Casse-toi. 837, retenez ça, très fidèle. 837. Oh, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté là? C'est des balles? Des balles. 897, merci Dageki, merci beaucoup. What? Aucun de ces livres n'est très intéressant. C'est le genre de bouquin qu'on peut acheter n'importe où. C'est pas gentil. Donc là, on a le petit code 837. Enfin, 8037. C'est ça. Ah, c'est bon, j'ai déjà raté, j'ai fait un 5. Je ne sais pas viser. Rien qui marche. Mensonge. Mensonge et ôté, c'était 8037. Vous m'avez embrouillé exprès. Vous êtes des enculés, c'est pas possible. 8307. 8307, voilà. Oui. 1307. C'est bon, voilà. Mais avant de passer par là, je veux voir s'il n'y a pas autre chose. Genre, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et ça, c'est quoi, ça? Il y a des magazines sur l'étagère. Certains semblent intéressants, mais je n'ai pas le temps. Genre, à lire Closer, je suis sûr, toi. Hein. Absolument pas, je ne ressors pas par là. C'est mort de chez mort de chez mort. C'est cette femme, une bonne sœur. Hey, wait, what's going on? Where is everybody? Those weird monsters? Elle a pas de sourcils? Oh non, pas encore une cinglée, putain. The rebirth of paradise, despoiled by mankind. What are you talking about? Don't you know? C'est la fille de Voldemort ou quoi? Mais elle a pas de chaussures en plus. Claudia le Clodo. Et on pointe pas du doigt, madame. Oh, ça vibre. Ma bébé. J'entends ma bébé. Oh, ça vibre sur mon trou de balle. Wait. C'est le bruit des ovaires, oh mon dieu. J'entends ma bébé. C'est techno, ma bébé, dans ma tête. I don't get it. Choupine. Je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi elle a pas de chaussures? Pourquoi elle a pas de sourcils? Oh bah merde, attends. Qu'est-ce que c'est? Il y a encore des bruits. Des bruits d'ovaires. Bobby, protège-moi. Ah, je me suis chié dessus. Ouais, non, non. On va peut-être partir, hein. Oh merde. Attends, on vient de par là? Oh, les bruits s'arrêtent pas en plus, ça me suit. Saloperie. Où est-ce que j'ai atterri? Ça fait vraiment des bruits chelous, hein. J'ai pas confiance. Pas confiance. Oh, j'aime pas ça. Elle a pas de sourcils, elle a pas de chaussures, elle a aucun sens. Elle me pointe du doigt. C'est un mélange entre un bébé gonflé à l'hélium qu'on dégonflerait. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi Jean-Pierre Pernaut qui fait des logorées maintenant, ça va pas se passer comme ça, hein, moi je te le dis. Je vais vous mener à la baguette, moi. Y'a un fakir qui va sortir du casier ou quoi?
Un bébé. Est-ce que tu es devenu un fakir? Qu'est-ce que c'est que cette merde? L'ascenseur? Si l'ascenseur fait ce genre de bruit, je monte pas dedans perso. Hein. C'est un bien joli ascenseur, très symétrique. Symétrique. Je m'appelle Heather. Je suis dans un ascenseur, je m'appelle Heather. Oh non. Oh la fameuse. La fameuse rire et chanson. Bah tu vas rester par terre, moi je te ramasse pas parce que bordel. Une radio, qu'est-ce que ça fait accroché au plafond? C'est Spider Radio. Je suppose que ça explique les interférences, mais on n'entend que des parasites. Je me demande si elle est cassée. Oh non, sa cinématique en plus. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh. Le téton, il faut allumer le téton lumineux. Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça se branle? Mais c'est une partout, qu'est-ce que c'est que ça? Ça faisait ça comme bruit. Est-ce que c'est un nichon que je vois? Ah, on descend dans... dans la cave de Dominique Strauss-Kahn. Ah, c'est Monsieur Parkinson en fait? C'est très l'échelle de Jacob tout ça. En plus il est bourré ce con. On sait pas dans quel sens le prendre hein. Franchement je... Est-ce que je peux remonter dans l'ascenseur? Qu'est-ce qu'elle a dit? J'appuie mais l'ascenseur reste bête, what the fuck? Non, ça va pas être possible, Ça va vraiment pas être possible. Je reste là. C'est entre les musiques et ça, c'est juste pas possible. Ah, oh, des poissons, les actimels. Ah, oh, l'actimel. Je prends l'actimel et je reste là, là. Oh non, il y a encore cette putain de... Oh, mais il y a du son maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a des bruits partout. Le lit est baigné de sang foncé. C'est le sang de qui? T'as qu'à le goûter, tu verras. Y a-t-il quelqu'un d'autre à part cette femme? Tout le monde, il est mort. Encore. Le regarder me fait mal à la tête, mais d'un autre côté, ça me paraît tellement familier. Je sais que j'ai oublié quelque chose de très important. Le papier toilette dans les courses. Mais j'ai l'impression que je ferais mieux de ne pas m'en souvenir. Qu'il est bête, ce pentacle. Qu'il est bête. Il reste bête comme ça, là. Ça m'énerve. Elle est pas blonde pour rien. Même si elle a l'air décolorée, je pense qu'elle a bien fait de se recolorer. Hein, c'est ça sa vraie nature. Oh, j'ai une ampoule. Je pense que c'est... Ça m'a toujours perturbé que ça s'appelle une ampoule dans les jeux d'horreur. Tu vois, t'as pas l'habitude, parce que quand t'es pas dans le milieu hospitalier, tu te dis que... En plus, regarde, ça ressemble à une pipette. Déjà, une ampoule, toi, dans ta tête, forcément, t'es un enfant, tu penses à une ampoule, voilà, l'ampoule lumineuse, tu vois. Tu te penses pas à ça. Et là, en plus, tu... Du fameux. Putain, j'ai mort les traductions. Du fameux, la fameuse ampoule, El Famoso. Oh, j'adore. Excellent. Par contre, t'avais pas une lampe torche au départ? Il y a des livres et des magazines, mais je n'ai pas le temps de le lire. Ah, moi, je me poserai là, hein, sur le sang séché, comme ça, tranquillou. Je sors même par la fenêtre s'il faut. Ok, putain, je suis arrivé là. Premier étage, mais on a déjà fait plein de trucs. Pourquoi il n'y a plus mes annotations? Oh mais ça c'est pas très gentil parce que s'il n'y a plus d'annotations, comment on le fait moi? Oh pitié! Oh! Oh caramba! Cucaracha! Oh! Ah oh, je déteste ça! Je déteste ma vie!
être let's player, c'est vraiment sympa. Oh, qu'est-ce qu'il mange? Oh bah bon appétit hein. Non, reste là. Surtout reste là. Bon appétit. Petit bon le petit. Ah non. Pas touché. Saloperie. Ils ont faim. Mange pas ma main. Oh putain de merde. Putain. Je vous laisse manger tranquille hein. Mais bouge ton cul quand même un petit peu. Putain mais toi. Oh non, je suis tombé par terre. Relève-toi. Attends. Peut-être que tu peux prendre un petit truc là, ouais. Je pense que tu peux prendre un petit Actimel ou un truc comme ça. Ah, ça va mieux, ouais. Oh. Heureusement qu'on a des grands millésimes d'ampoule, hein, parce que sinon je sais pas ce qu'il adviendrait de nous, là. Enfin, ces hurlements, ça me fait tellement peur. Oh, il y en a partout. Non. Mais je suis bloqué de partout. Qu'est-ce que ça... Oh, merde. Oh, ça s'ouvre, je sois allé. Y'a pas de répit. Oh, y'a pas de. Oh putain, y'a pas de répit. Oh. Pas la vaginette, non. Oh non, y'en a deux. Y'en a trois. Oh putain de merde, scheisse. Scheisse vaginette. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah attends, je reconnais cet endroit. Où est le détective tout nu là sous sa parka? Il pourrait pas être là. Oh, Pitié, j'ai très peur. Qu'est-ce que tu regardes, meuf? Attention, en quittant la place, n'oubliez pas d'éteindre la lumière, vous saurez immédiatement si vous ne l'avez pas fait. Quoi? Il y a un interrupteur, la lumière est allumée, voulez-vous éteindre? Oui. Oh. Là, t'as l'inspecteur tout nu devant une lampe qui t'attend. Ouais, la lampe, chouette. Le téton lumineux. Tu le gardais pour moi, Bobby? Oui, on faisait une petite fiesta ici. Avec Jeffrey, je vois à côté. Ou pas? Est-ce un saut? Ou n'est-ce pas un saut? Telle est la question, Trophy. Ça va, y a des munitions. Oh, ouais. Ouais, y a plein de choses, ouais. Ouais, ok. On a le téton lumineux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ça? On sait même pas ce que c'est, merde. C'est quoi ça? Oh, ça me plaît pas. Tout a l'air cassé, tout a l'air caca. C'est quoi ce centre commercial de merde là? Sérieusement. Mais pitié, ah, un mur. Un mur. Oh non. Oh pitié non, pitié non, pitié non. Ah, j'ai ma vie. Oh, ok, je repasse par là. Ok. Oh putain, sérieusement. Oh, il est plus là l'autre. L'homme vaginette n'est plus là. Mais en fait, ça a changé. Le monde est devenu détraqué là. C'est le monde détraqué encore là. Oh. Ces vêtements sont dégueulasses. Ils sont tachés, éclaboussés de sang. Mais nous, ils ont l'air bien propres, regarde. Il y a même un veston sécuritaire, on dirait. What? J'ai un veston. Gilet pare-balles, lourd à porter, mais ça aide en cas d'attaque de monstre. Je veux tellement le mettre. Est-ce qu'on le voit? Que j'ai un lip... Ah! Oh, j'ai un gilet pare-balles. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Sérieusement? Il n'était pas comme ça avant, qu'est-ce qui s'est passé? La jolie robe, je ne peux plus l'acheter maintenant, je suis dégoûté. Mais j'ai un gilet pare-balles, je suis invincible à présent. J'ai bien regardé, mais je n'ai rien vu d'intéressant à l'intérieur. Je vais laisser tomber cette caisse pour l'instant. Oh non! Hi! Prends-moi avec toi! J'ai un gilet pare-balles, rien ne peut m'arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ce bruit? Ça venait de là? Ah non, ça venait pas de là. Ça venait d'où ce bruit? D'où venait le bruit? Pourquoi il y avait ce bruit? Pourquoi? Oh. C'est toi qui me montre? Il y a un cintre. Oh, je suis juste...
Tu veux prendre une robe sinon, hein, parce que là tu me fais un peu pitcher avec... Tu ramasses que les trucs tout pourris. Cintre en fil de fer provenant de la boutique. Ok. J'ai pas envie de ressortir vraiment, je sais même pas où je suis. Je sais pas où je suis du tout. Et ça a l'air si grand, mais tout est fermé, je l'ai bien vu. Ils font que me mentir. Oh, allez, prends ton courage à deux mains, Trophy. Poussez-vous! Poussez-vous de mon chemin! Mon chemin! Mon chemin! Oh, pitié! Oh. Oh merde, c'est dégoûtant! Heureusement qu'ils sont lents, les hommes vaginettes! Heureusement qu'ils sont. Oh! Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah non, j'ai déjà été ici, ça pue de la bite. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Oh! Pitié, les hommes vaginettes, c'est mes préférés. On adore se les mettre dans la... Non. Oh putain, tout est cassé, tout est pu. Oh mais c'est un traquenard en plus, sérieusement. Aïe, où je dois aller, je sais pas. Mais tout est horrible, tout est atroce. J'ai aucun endroit de répit. J'ai aucun putain d'endroit de... Qu'est-ce que c'est ici? Oh si, il y a un endroit de répit. Oh attends. Où est-ce qu'on est? Ok, donc là on a tout exploré ici, c'est plutôt fermé. Par contre là c'est bon. Ok. Il y a deux portes que j'ai pas explorées là où il y a les chiens. Trois portes que j'ai pas explorées. Que je serais peut-être amené à aller revoir du coup. Qu'est-ce que c'est que cet endroit de merde, sérieux? Cette table est bien aimable. Elle est étrange. Une échelle pend à mi-chemin entre le plafond et le sol. Même en montant sur la table et en tendant les bras, je ne l'atteindrais pas. Si seulement j'avais quelque chose de long. Ma bite? Ah oui, c'est vrai qu'on voit bien l'échelle. Ok, c'est juste un plan de vue. J'ai cru qu'un truc allait me tomber dessus. Ok, donc ça c'est fait. C'est cassé. Putain, c'est le pire magasin du monde, ça, sérieux. Donc il me faudrait un truc long. Un balai. Qu'est-ce qu'elle va trouver encore comme truc long, complètement con, pour pouvoir descendre l'échelle? Ok, donc il y a un point d'intérêt, c'est... Attends, il y a deux portes sur ma gauche. Ok. Trois même. Oh, ok. Le petit chien. Attends, regarde ta map. Pause. Aïe. Stonk. Ok, c'est infernal, c'est l'horreur, ce niveau c'est l'horreur. Ok, donc ici je n'avais pas besoin de revenir, c'est génial, merci le jeu. Ah, ça s'ouvre comme un prépuce du nouvel an. J'adore ma vie, c'est génial. Et si on retournait par là pour juste sauvegarder, hein? C'est tendu, hein. C'est tendax du cul du chien. Ça me fait transpirer, t'as pas idée. Je transpire. Il y avait pas une porte ici, du coup? Non, ok, c'est de l'autre salle. Bon. Mais attends, là j'ai tout exploré. Ah, sauf les toilettes des femmes. Il y a qu'une porte que j'ai pas explorée là-bas. Qu'est-ce qu'on va trouver de long?
Dans les toilettes des femmes, hein? On se demande bien, mesdames. Quelque chose à dire pour votre défense? J'ai pas peur, j'ai pas peur. Je suis très conscient. Je suis très content de jouer à ce jeu. Où sont les toilettes des femmes? Je voudrais faire mon propos, mais je voudrais être tout seul. Pour faire ça, pour faire ça. Oh, c'est ouvert. Ah. Attends, non, c'est pas les toilettes des femmes, bordel de merde. Où sont les toilettes des femmes? Juste à côté? What? Mais ils ont volé les lavabos! Vous êtes sérieux? Oh, il y a une bouteille de détergent quand même, hein. Ça va. Attends, merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, qu'est-ce que je viens de ramasser? De l'actimel? Du vrai actimel? Eau de Javel, un produit pour nettoyer les toilettes, j'en ai à la maison. What? L'étiquette dit danger, ne pas mélanger. Oh, ça, ça sent le truc à mélanger du coup. je peux pas passer par la fenêtre du coup? Ah non, là c'est ok, ouais, là c'est vraiment... Y a-t-il quelqu'un là-dedans? Oh non, ça j'aime pas quand ils font ça. Ça, je déteste quand ils font ça, tu sais, genre... T'as vu en plus la gueule du truc, y'a plus personne qui va faire caca là-dedans, sérieusement. Ping, ping. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, y'a du sang partout. Oh. Oh, mais rentre pas là-dedans, meuf. Wow, si ça c'est pas une diarrhée d'hémorroïdes explosive, je sais pas ce que c'est. Il y a du sang partout, mais il n'y a personne. Quelqu'un a-t-il répondu ou suis-je seul? Oh le flip. Oh le flip. Oh le flip. Et on va nettoyer un petit peu tout ça. Hein. Tiens, j'utilise ça, voilà. On va utiliser le cintre, je sais pas. C'est absolument effrayant. Putain, la porte qui s'ouvre tout doucement derrière moi, comme ça, alors que ça toquait. Putain, il y a du PQ par terre, c'est dégoûtant. Non, mais je serais même pas désolé, parce que quelqu'un que tu toques, il dit pas occupé ou un truc comme ça, il toque en retour, après il t'ouvre la porte de façon hyper creepy, je lui tirais une balle dessus, j'aurais aucun regret, quoi. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? Ils ont comme des portes jartelles, c'est des monstres assez sexy, hein. Ils ont des sacrés culs aussi, je suis jalouse. Oh bordel de chatte à poil. Oh, on retourne ici. Vas-y, utilise le cintre. Peut-être ça peut marcher, je sais pas. Ça me paraît pas assez long, mais en sautant. Sinon je vois pas quel putain d'intérêt tu peux avoir avec un cintre. Eh ben c'est incroyable. Ah oui, peut-être que si tu le déplies comme ça, oui, effectivement. Mais bon. Faut avoir quand même le... La... Ezer biscotto. Ezer montée échelle. Ouga bouga. Ezer paraser ses aisselles. Ok. Ah. Y a-t-il un petit peu d'eau là-dedans? Oui, c'est parfait. C'est le bruit que fait Heather quand elle monte avec... C'est le bruit de ma gorge. Ah, c'est calme. Ah, c'est bien, ça. Oh, c'est un sacré trou, dis donc. Mais c'est calme, c'est bien. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un brancard, t'es sérieuse? Un brancard ici? Qu'est-ce que ça veut dire, que cette merde? Qu'est-ce que ça fait là? Ce n'est pourtant pas un hôpital. Très bonne déduction, Germaine. Ce serait... Ouais, c'est hyper flippant. C'est hyper flippant. Il n'y a pas de bruit et ça, c'est encore plus flippant, étrangement, après tout ce qui se passe. C'est très... Oh, on voit la télé là-bas. On va pouvoir... Ah non, c'est sans doute Cyril Hanouna. Tirez-lui dessus. Tiens. Putain, la vitrine en barbelé, quoi. Oh non, c'est Canal Plus encrypté. Bon bah... Toi, tu pourras pas te secouer la palourde.
Désolé pour toi, Heather. Je ne vois rien, je n'entends rien. Qu'est-ce que c'était? J'ai cru entendre quelqu'un dire « papa ». Daddy, je veux un poney. Ça me fait penser à ça, moi. Ouh, la petite sauvegarde. À moi, dès que je peux, laisse tomber. Direct, direct. Oh, c'est ouvert! Oh, je sais pas si je vais être là, vraiment. On dirait un appartement, en plus, cette devanture. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que je reviendrai. Je vais aller à par là, hein, d'abord. Hein? On peut pas aller par là? Je peux... Mais elle peut vraiment tomber, cette conne, en plus, je suis sûr. Je suis sûr. C'est verrouillé, ça? D'accord, ok. Il y a des escalators, non? Je rêve ou c'est des escalators, vraiment? Oh. Donc ça veut dire qu'on peut descendre. Vu que je suis monté, est-ce qu'on a envie de descendre pour l'instant? Non. Est-ce qu'on a envie de monter aussi? Parce qu'on peut aller en haut, de toute évidence, ouais. Honnêtement, je suis pas rassuré du tout. Mais bon, on va rester sur le même étage pour l'instant, ok? On va rester sur le même étage. Oh, qu'est-ce que c'est? Un donut? Un biscuit? Une noix? Bah, ça se mange, mais bon, c'est quand même de la merde. Casse les couilles, le jeu. Qu'est-ce que je vais foutre? Elle ramasse que les objets purement inutiles. Elle va à la plage, elle te ramène la plage entière, la meuf, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive, Heather? Une bonne grosse noix, tu présentes. Mais c'est pas possible, les descriptions de G. Entre le grand cru de l'ampoule et ça. Une bonne grosse noix. Ah, ça, j'adore les grosses noix, moi. Moi, j'adore les grosses noix. Il y a quelque chose dedans, mais je n'arrive pas à l'ouvrir à la main. Faible femme. Il va te falloir un casse-noisette. Sauf qu'elle va vouloir ouvrir ça avec un truc complètement... qui n'a rien à voir. Le verre du présentoir est cassé. Le présentoir est vide. Dommage. L'attrait de l'argent. Il contenait un bel anneau en argent la dernière fois. Si j'avais su, zut! Tu vas bien, c'est bien une femme, ça va. L'enfant de Satan, mais une femme quand même. Hein. Oh, 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 oh non, pitié! Pourquoi? Oh, ça fait des bruits de rhinocéros ou je sais pas quoi, c'est... Oh, quoi? 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 Même le bouton d'appel semble cassé. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est dans le tournant, j'aime pas ça. J'aime pas cette merde. Dans un couloir aussi fermé, je suis pas très pour... Qu'est-ce qu'elle disait du coup, l'ascenseur? Même le bouton d'appel semble cassé, pas moyen d'ouvrir la porte. Est-ce que t'es bête, ascenseur? Il reste bête comme ça, je n'aime pas ça. Oh, mais j'aime pas, c'est juste au tournant, saloperie. Ok, j'ai une porte gauche. Ok, il y en a plusieurs de portes. En plus, il y en a plusieurs, ok. Je vois rien, c'est sombre. Oh, c'est verrouillé. Ouvre-la avec la noix. Avec la noix. Avec la noix. Où je suis? Où je suis? J'ai perdu tous mes repères. Il me faut vite un derrière. Oh, le derrière. Oh, Champs-Élysées. Oh, oh, l'homme vaginette. Oh. Est-ce que j'ai tout vérifié, là? J'ai tout vérifié, ici? Ok, il y a plusieurs verrous. Et j'ai rien pour ouvrir pour l'instant. Donc on se casse. On se casse ici. On se casse ici tout de suite. C'est bon. On a plein le cul. Ok. Oh putain de merde, la vaginette. J'ai la cacahuète qui colle. Et les bonbons qui font des bons. C'est la chanson préférée de Heather. Qu'est-ce que vous en dites, très fidèle? On monte d'abord en haut ou on descend d'abord en bas? Dites-moi ce que vous voulez faire. Ou alors on monte en bas et on descend en haut.